Eh bien, voici mon avion une fois tout réparé. J'ai fait quelques petites modifications. Ce que j'ai fait, premièrement, j'ai installé un gyro sur les ailerons. Un gyro, lui, est là. Ce que ça fait, c'est que si l'avion se fait brasser en cours de route, en vol, elle va se corriger tout seul. Je vais la brasser puis remarquer les ailerons, ce qu'ils font. C'est que elle devrait se corriger toute seule en vol, là. Ce qui va faire comme résultat une image beaucoup plus stable avec, avec la caméra, bien entendu. Les ailerons, il n'y avait pas d'ailerons, j'ai fait des ailerons. Je vais les actionner avec la télécommande, vous allez le voir. Il y a toujours la petite caméra avec laquelle que moi je pilote, qui est toujours là. Puis cette caméra ici, c'est ma caméra HD. C'est avec laquelle que vous voyez les images pendant le vol. Les ailes ont été cassées. Ça fait que ce que j'ai fait, je vais virer l'avion de bord. Je les ai renforcis avec des goujons de bois. Comme vous pouvez voir, il y en a un là, il y en a un à chaque côté. Puis en arrière aussi, l'élévateur a été renforcé avec un goujon de bois aussi. J'ai été obligé de remplacer complètement l'élévateur parce qu'il était vraiment cassé. Je peux ajuster le gyro. Comme là, je le brasse, puis les gyroscopes rentrent en fonction. Mais sur la télécommande, j'ai actionné ça sur un bouton. C'est que si je le tourne, je peux complètement le fermer. Fait que j'ai plus rien. Fait que si je vois que c'est embarrassant ou ben que je peux le mettre à taux variable. Là. Comme là, je l'ai mis un petit peu moins. Je peux le mettre au bout. Ça va être, d'après moi, ça va être pratique. Puis une petite sécurité. Un petit vaseur au cas où que je crache, que je perde mon avion, parce que ça a pris quand même 3 heures avant de retrouver mon avion après le crash. Fait que sur ma télécommande, j'actionne un bouton et puis on entend un bip, un SOS dans le fond. Jusqu'à ce que je le ferme. Ou bien ça fait ça, ou bien si je perds complètement le contact avec le radio. Si je ferme le radio, on devrait l'entendre aussi. Ça ressemble à ça les petites modifications que j'ai faites pour les prochains vols.